Le live a toujours été fondateur dans la vie de Minsultia. Nous avons toujours été animés par un réel besoin de jouer, de nous exprimer sur scène, de partager notre musique. Notre formation en duo est exclusive et exigeante, mais elle nous a permis de pouvoir nous adapter à beaucoup de contextes, de lieux et de publics différents. Notre premier concert était en fait un ciné-concert sur Un chant d'amour de Jean Genet. Nous avons ensuite repris quelques morceaux de ce ciné-concert à l'occasion de notre tournée acoustique pour les 10 ans de June en 2015. Nous jouions dans des lieux insolites, allant d'une salle du château de Nantes à l'ancienne manufacture de Morlaix, une cave à Dijon ou une chapelle à Paris. C'est aussi à Jean Genet que nous faisons référence dans notre morceau The Dago's Pale, ici dans une version en français, avec notre pianette T. Nous n'avons pas fini d'écrire des poèmes. On se demande pourquoi ça n'est pas assez long, cette histoire d'amour entre criminels. Cette histoire d'amour entre criminels. Oh, oh, oh. Le duo permet une complicité rare, mais force aussi un certain minimalisme. Notre musique doit à chaque fois être réarrangée, repensée pour passer du studio à la scène. Les différentes versions sont parfois méconnaissables, comme ici avec Jamais Jamais. Nous avons imaginé une scénographie en collaboration avec Jean-Maxence Chani. Comme à chaque album, le parti pris sera radical. Peu de couleurs, en tout cas des monochromes, mais des contrastes forts, à l'image de notre musique et de nos personnalités respectives.